Maria, Paco, Magdalena, Maria Magdalena, Marie-Madeleine. Bon, tout commence à tourner, à tourbillonner. Pour moi, c'est vraiment une espèce de moment où je me dis, il se passe quelque chose à ce moment-là, je ne sais pas quoi. Et l'interprétation, le sens pour moi, prendra beaucoup plus tard, en fait, à partir du moment où je comprendrai que ce qui rejoue à ce moment-là, pour moi en tout cas, et d'essayer de mieux comprendre tout ce qui concerne Sophia des Sangrois, la figure de Marie-Madeleine et de Marie-Magdalena, en tant que la compagne de Jésus. Donc toute la question d'amour chez les Sangrois, c'était comme une espèce de échappée. Yeah.
curique que nous dit le Christ. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. C'est ce qu'il nous est dit. C'est pas mal. Hein. Le Christ fait de cet apôtre des exorcistes. Que leur chemin s'engage.
la semence pour le jeune arbrisseau. L'union des deux natures prépare en la culture une graine bien mûre contenant la nature. Seul un être unifié préside à la naissance de l'indifférencié, portant la connaissance d'aucun des deux parents. Il ne veut la couleur, il est incandescent de la peau jusqu'au cœur.
question. On pourrait dire, c'est, oui, c'est anarchiste de dire sans roi. Dire, j'ai pas de chef. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu n'est pas un chef. Ils n'aiment pas un Dieu chef. Ils n'aiment pas cette espèce d'image du pouvoir qui est l'image du Dieu. Quand les gens disent qu'ils aiment Dieu, ils aiment Dieu, ils aiment quelqu'un qui leur tape dessus. Les sans-rois, ce qu'ils aiment, c'est le divin. Un truc bien rapide là. On se repose.
Calme-toi, mon frère. Thank you.
Bonne soirée à vous.